Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors sous un aspect presque anodin, cette délibération en réalité est capitale, et ce à double titre. D'abord, elle illustre la succession de déconvenues juridiques que connaît la ville, et puis elle annonce la fin de la publicité à Paris, au moins pour quelques mois. Alors par cette délibération, la ville renonce à demander une taxe sur la publicité, préférant demander une redevance aux afficheurs publicitaires. Par cette délibération, la ville se conforme à la loi. Mais par cette délibération, nous mettons également fin à deux consultations en cours ayant trait au marché publicitaire, compte tenu du fait que, justement, cette délibération n'avait pas été prise plus tôt. Par cette délibération, nous offrons une porte de sortie à la ville pour ne pas risquer à nouveau une déconvenue juridique. Effectivement, cela aurait fait beaucoup après la décision du tribunal administratif annulant l'attribution de la MUI 1, décision confirmée par le Conseil d'État au mois de septembre dernier, après la décision annulant le contrat de MUI transitoire par le tribunal administratif au mois de décembre dernier. Par cette délibération, donc, c'est la suspension de consultations en cours. La consultation pour l'attribution de la concession de services relative à l'installation et l'exploitation des mâts et colonnes porte-affiches à partir d'avril 2019 et la consultation pour la concession de services des MUI, soit le cadre de la publicité pour les prochaines années. Or, compte tenu des délais pour la reprise des consultations, que l'on ne connaît pas, ça signifie que quand bien même on relancerait une procédure aujourd'hui, il n'y aurait rien avant 20 mois. C'est donc une décision de suspension compréhensible compte tenu de la succession d'erreurs plus ou moins grossières sanctionnées par la justice. Mais cela pose la question de la manière dont l'impact budgétaire de ces décisions va être comblé. Car ces deux contrats représentent un montant cumulé de 50 millions d'euros par an. Il est désormais urgent d'avoir un débat sur le sujet, sincère sur la place et les missions de la publicité en ville, sur son rôle en matière de promotion des établissements culturels de la ville, sur ses implications en termes tant budgétaires que de cadre de vie. Je vous remercie.